Je suis Claude Fayol, je suis producteur chez Vanda Productions, production de films publicitaires, de clips et de contenu web. Un film pour l'association AIDS, ça a un peu plus de 10 ans, où c'était un clip de 3 minutes sur les déboires d'une jeune fille qui rencontrait plein de partenaires. Et s'inciter à toujours se protéger avant de trouver le bon. Parce que j'adore le message, je me suis toujours dit en faisant ce truc, j'ai toujours pensé à mes sœurs et je voulais qu'elles regardent ce truc, mes petites sœurs, et que ça les pousse à justement se protéger. Alors c'est déjà fait, c'est Zidane. J'ai déjà tourné 3 fois avec lui. C'est un mec, il est humble, il est gentil, il est respectueux. C'est un mec qui te vanne tout le temps, qui a un humour de fou. Waza. C'est la pub Budweiser. Yo, where's Dookie? L'histoire de plusieurs potes qui ont un espèce de signal entre eux. Yo. Waza. C'est tellement décalé, ça n'a rien à voir avec le produit. So what's up, B? Ils ont refait la même chose 10 ans après pour l'élection d'Obama, où c'est tous les personnages de cette pub qui ont grandi. Waza. Waza. Mais qui sont tous dans la merde. Il y a un mec qui est en Irak, t'as un mec qui veut se suicider parce que c'est la crise. C'est une saga incroyable. So what's up, B? Change. Rodolphe. Ich bin Rodolphe. Il a free, il a tout compris. Il a free, il a tout compris. Lui, il était ouf. La petite histoire de ce mec, c'est que c'est pas du tout un comédien. Il me dit même que c'est dommage que ce soit pas plus connu. On l'a trouvé dans une boîte de nuit. C'est en fait un plasticien, un artiste, qui a accepté le truc. Alors j'ai créé mon propre show. Il avait méga honte de ce truc. Ça a été un carton. Et quand on l'a retrouvé pour faire la saison 2, on a dû lui faire un postiche de sa barbe. C'est pas tous les jours facile. Parce qu'il s'était rasé la barbe pour pas qu'on le reconnaisse. Et derrière, il est question qu'il y ait un long métrage maintenant avec lui. J'adore le cinéma. Et depuis, on a fond dedans. Donc il a changé d'opinion. Mais lui, le personnage qu'avait écrit l'agence, trop cool le mec. C'est Disclosure. C'est pour la pub Lacoste, le grand saut. Elle a été trouvée au dernier moment, il y avait une autre musique pendant longtemps. Et c'était un miracle.